La cuvée qui sortira avec la meilleure note sera mise en bouteille au nombre de 200 et vendue à 15 € unité. Donc après, cet argent récolté va servir à l'association ELA. Donc chaque année, on va choisir une association pour une œuvre caritative forcément. Donc cette année, pour commencer, on a choisi l'association ELA. Alors pourquoi cette cuvée? Ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit au domaine. Puis c'est une sorte de faire notre petite pierre à l'édifice et d'essayer de sensibiliser les gens à toutes ces maladies. Avec une belle longueur en bouche, donc voilà, on a mis en avant, on va dire, le mélange de grenache et de syrah, avec un soupçon de syrah supplémentaire, enfin, qui a amené un petit peu toutes ces notes torréfiées, cette longueur en bouche, cette structure qui fonctionnait plutôt pas mal, puisque elle a gagné. Alors, je le mettrai très, très volontiers à la carte parce que, comme je le disais, c'est un vin qui a une très belle structure et qui est quand même facile à boire, qui est élégant, raffiné, très féminin. Il s'est le 2. C'est l'échantillon numéro 3 de Amoros. Ouais! Donc c'est l'équipe Amoros, Ozello et Alano. Bon, allez déjà, vous